Ah, bonjour le monde. Le 1er mai dernier, j'avais édité sur YouTube une vidéo qui s'intitulait Spring Ritournelle. Eh bien, comme dit la fable, la cigale ayant chanté tout l'été, me voilà bien pourvu de nouvelles ritournelles qui me permettent d'éditer aujourd'hui cette vidéo que j'intitulerai forcément Summer Ritournelle. Voilà, depuis 2 jours, j'ai un très mauvais rhume. Je ne sais pas si vous voyez mon nez rouge, mais il me picote. Mais ça va mieux. Ça va mieux aujourd'hui. Mais quand même, j'ai été un petit peu secoué. Mais plus grave que ça, maman a fait une mauvaise chute le 19 août et elle est convalescente. Elle est convalescente et j'attends qu'elle soit complètement remise pour prendre la route du Maroc. Voilà, je devais arriver au Maroc au premier jour de septembre. Eh bien, mon voyage est reporté à une date ultérieure. L'essentiel, c'est que maman se remette sur pied et elle fait tout pour ça. Elle est formidable. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt, chers amis, à très bientôt. 1, 2, 3. Pendant que je t'aimais, pendant que je t'avais, l'amour s'en est allé. Il est trop tard. Tu étais si jolie. Je suis seul dans mon lit. Passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. 1, 2, 3. On peut vivre sans richesse, presque sans un sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup, mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. 1, 2, 3. La mer est là, qui me murmure, des mots d'amour et d'infini. La mer est là qui me rassure, le miracle n'est pas fini. Je renaîtrai de mes blessures. La mer est là qui me le dit. Je ne serai jamais parjure à cette nuit. Belle soirée, le monde. Jeudi 14 juillet 2022, je souhaite à nouveau un bon anniversaire à mon père qui est en train de souffler là-haut. Sans cette bougie, il faut souffler un grand coup. Tout cela mérite une petite ritournelle. C'était l'été, évidemment, et j'ai compté en la voyant mes nuits d'automne. Elle m'a dit, j'ai envie de toi. Elle avait vu au cinéma le blé en herbe. Bon jeudi, mes chers amis, bon feu d'artifice. On fête pas le 14 juillet en Espagne, moi qui adore les feux d'artifice, eh bien, j'en serai privé, tant pis. Bonne journée à tous. Ah, cette saison, on recherche l'ombre et la fraîcheur. Eh bien, je vous recommande ce café-restaurant qui vous propose des jolies tables dans un jardin. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Les toilettes sont irréprochables de propreté. C'est fabuleux. Le personnel est jeune,
prévenant, efficace. Le grand café au lait dans un verre. Café con leche grande en un vaso, por favor, est à 1,70€. Eh bien, je vous le dis, ça vaut le coup de faire la pause au Patty Blanc Alianza. Le Patty Blanc Alianza. Rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole, qui gueule encore dans le désert des goémons de nécropole. Paul, je suis sûr que la vie est là avec ses poumons de flanelle. Quand tu pleures de ces temps-là, le frog tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume. Cette bave des chevaux rats au ras des rocs qui se consume au l'ange des plaisirs perdus, aux rumeurs d'une autre habitude. Mes désirs dès lors ne sont plus qu'un chagrin de ma solitude. Quand la peine bat sur ta porte close, donne-lui du feu pour l'amour de Dieu. Si la flamme est morte et que tout repose, elle s'en ira, je n'ai pas fait mieux. J'avais des habits taillés aux nuages, j'avais des cheveux comme des drapeaux, et flottait au vent ma crinière sage. L'or j'ai tout perdu, restait que la peau. Quand la peine passe sur ta porte close, donne-lui du feu pour l'amour de Dieu, et s'embrasera la dernière rose que j'irai cueillir en guise d'adieu. Et s'embrasera la dernière rose que j'irai cueillir en guise d'adieu. Bonjour à tous, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Eh bien, avec quelques jours de retard, on fête nos anniversaires avec maman. Avec maman nous a concocté un faux filet de bœuf charolais. Il est d'une tendresse incroyable. Eh bien, maman, ça me fait plaisir de te voir. Eh bien, je te souhaite un très très bon anniversaire. Hein. Merci. Et à ça... toi, pareillement, un bel anniversaire. Hein. Eh ben, je me souviens de toi à la maternité. À la maternité des orangers à Rabat, c'est voilà. Ça, maman? Oui, de la maréchale. La maternité de la maréchale, à chaque fois que je vais à Rabat, je vais en pèlerinage là-bas. Cette maternité est face à l'église espagnole où se sont mariés mon oncle et parrain André avec ma tante Corinne, que je verrai bientôt à Moulay-Bouslem. Et maman, nos chambres à la maternité avaient un nom de fleur. Est-ce que tu te souviens du nom? Ça devait être la glycine. Ah ben, je suis né dans des odeurs de glycine en plein été. C'est fabuleux. Un jour de sirocco. Allez, maman, merci en tout cas. Ça fait tellement plaisir de te voir. Et ben, on se souhaite une bonne nouvelle année, quoi. Un printemps de plus chacun, quoi. Voilà. Ah bonjour mes amis, une petite vingtaine de degrés chez moi dans mon jardinet au pied des Cévennes et regardez, milagro, une petite pluie miraculeuse qui tombe sur mon jardinet, on se croirait en automne, j'espère qu'elle va durer, s'amplifier, c'est merveilleux. Tout ceci mérite une petite ritournelle. Il pleut doucement sur le trottoir et la nuit est déjà perdue. Nos pas se noient dans le brouillard. Nous arrivons au bout de la rue. J'aurais tellement voulu vous rendre heureuse, mais dites-moi ce soir qu'il n'est peut-être pas trop tard. Vous m'avez dit
vous mon âme. Je suis l'enfant, vous la femme. Je ne suis rien, 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 et j'ai besoin de vous. Reine magique, enchaînez-moi, bercez-moi, éclairez-moi, et dans ma nuit, ô maladie, restez, restez. Je vous promets, cette chanson, je pense, ça fait 40 ans que je ne l'ai pas entendue. On doit avoir le 45 tours chez maman, mais je ne l'ai pas entendue depuis 40 ans. Elle n'est jamais passée sur les ondes. C'est une belle chanson de je ne sais plus qui. Vous allez me le dire. Bon vendredi. Vendredi plus vieux. Vendredi heureux, capitaine plus jeune. 7 août 2022, 8h35, dans le haut Gard. À quelle chance d'être aujourd'hui dimanche. Et le dimanche, on fait la grasse matinée de jeunes frères sont partis, de jeunes frères sont partis, l'un est doux, l'autre gentil, l'un est doux, l'autre gentil. Un canon lui ôta la vie, un canon se passe de votre avis, que l'on soit doux ou bien gentil, un beau matin d'été, deux jeunes filles sur le quai d'une gare, deux jeunes filles sur le quai d'une gare, l'une en bleu et l'autre en noir, l'une en bleu et l'autre en noir. Leurs amoureux, elles vont revoir, vêtues de bleu, vêtues de noir, leurs amoureux. Elles vont revoir un beau matin d'été. Petit déj, le plus souvent, c'est du thé. Ce matin, c'est du café. Alors, c'est un café très, 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 très allongé. Allongé avec de l'eau. Il est léger, ce qui fait que j'en bois un peu toute la journée, sans que cela ne m'énerve. Et regardez, je mange face à un endroit qui m'est cher, qui se situe à 4 heures de voiture de chez moi. C'est mon refuge en Catalogne espagnole. Allez, une petite ritournelle, très, très rapide. De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois qui partaient en voyage. De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois dessus le grand chemin. Bon vendredi, le monde. Voilà ce que c'est, mon vieux Joseph, que d'avoir pris la plus jolie de toutes les filles de Galilée. Celle qu'on appelait Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, rester chez toi, couper ton bois. Ma deuxième récolte de figues. Plutôt que d'aller t'exiler et vivre loin avec Marie. Parfois, je pense à toi, Joseph, mon pauvre ami, lorsque l'on rit,
de toi qui n'avais demandé qu'à vivre heureux avec Marie. 1, 2, 3. La route est longue, longue, longue. Marche sans jamais t'arrêter. La route est dure, dure, dure. Chante si tu es fatigué. Tu marcheras des heures entières sous le dur soleil de l'été. Tu marcheras dans la poussière que soulèveront tes souliers. Tu marcheras dans la poussière que soulèveront tes souliers. Alors aujourd'hui, j'ai mes deux enfants, c'est le plus beau jour du mois et de ma vie. Allez, on va trinquer alors. On va trinquer avec santé. Santé Seb, pardon. Et santé Anne-Laure. Vous êtes magnifiques, mes enfants. Je suis fier de vous. Allez. À l'image de notre père. Voilà. Alors, j'ai une anecdote à propos du planteur. Celui-là, je l'ai fait. C'est un planteur. Il est bon. Il est délicieux. La première fois que j'arrive en escale aux Antilles. La première fois que j'arrivais en escale aux Antilles, j'étais pilotin stagiaire à bord du Mont-Cenis. Les matelots m'ont dit « Allez jeune, viens, on va t'emmener découvrir la Guadeloupe ». Et donc on part à Pointe-à-Pitre dans une espèce de boîte de nuit pour les marins. Et ils me disent « Tu connais le planteur ?» Je dis « Non, non ». Alors c'était un planteur à la goyave, orange. Il était succulent, un planteur, deux planteurs, trois planteurs, j'avais à peine 19 ans, je venais d'avoir 19 ans, je n'ai pas pu me relever, les matelots étaient contents, ils riaient, et ils m'ont porté pour me raccompagner à bord. Voilà, le début de ma navigation dans la marine marchande. Le souvenir du planteur, alors. Allez, chin-chin. C'est bon. 1, 2, 3. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout ce temps qui passe ne se rattrape guère, que tout ce temps perdu ne se rattrape plus. Ah, merci mes chers amis d'être allés jusqu'au bout de ce one-man show. Je voulais vous souhaiter un très très bon mois de septembre. Veillez bien sur vous et à très bientôt.